vont s'asseoir. Abraham, viens ici. Abraham, viens comme ça. Jonathan, viens. Ok, Jonathan, tu te mets en face là-bas. Voilà. Ok. Toi, t'arrêtes ici. Fais face à Jonathan. Abraham, tu te mets derrière lui, s'il te plaît. Ça, ce sont mes pasteurs, ok? Regarde. Moi, je suis Jésus, ok? Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, je suis Jésus. Je suis mort à la croix. Mais je ne suis pas resté dans le tombeau. Je suis ressuscité. Maintenant, j'ai déclaré que tu es libéré. Samuel, tu es libéré. La prison où tu étais, tu es sorti. Ton cœur brisé est consolé. Une bonne année de grâce du Seigneur établie sur ta vie. Alors, c'est un fait établi qui le concerne. Ok, il croit en cela. Il a accepté ça dans son cœur et il marche vers sa destinée. Va. Il croit au nom de Jésus, je suis libéré. Oh, la prison, je suis sorti. Il avance. Arrête-toi ici. Lui, il croit en cela. Il a accepté. Ici, voici Satan. Ça, c'est Satan. Ok. Bien que Satan ait vaincu dans sa vie au nom de Jésus, c'est mon fils spirituel, c'est un pasteur, un grand serviteur de Dieu. Mais pour les raisons de mon exemple, c'est Satan. Satan aussi est au courant que moi, Jésus, je suis mort pour lui. Satan ici est au courant qu'il est sorti de la prison. Mais il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il a la force. Atarapanga. Satan a la force, oui. Yes. Satan, il a une puissance. Il n'est pas seul. Il a beaucoup de démons en lui. Il a beaucoup de petits dieux avec lui. Oh yes. Ils sont tous là autour de lui. Si remets-toi là-bas, voici les petits démons. Ok. Lui, il sait. Lui, il croit. Mais quand il avance, ça n'empêche pas Satan. Avancez-le, bloquez-le. Voilà. Toi, tu prends son bras ici. Siro, attrape un bras ici. L'autre là-bas, attrape un bras là-bas. Maintenant, il croit. Il a la foi quand il est là comme ça. Il dit, Seigneur, tu m'as libéré. Mais regarde, je n'avance plus. Je suis bloqué. Je crois à l'œuvre achevée de la croix. Mais il est bloqué. Pourquoi? Parce que lui-même qui croit n'a cependant pas la force requise pour imposer son droit. Pourquoi quand tu prêtes l'argent à quelqu'un, il ne te rembourse pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la police. La police représente quoi? On les appelle les forces de l'ordre. Donc, ton droit face à cet homme, c'est de récupérer ton argent. Mais il refuse de te le donner. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu pars vers ceux qui ont la force légale. Pour que eux, ils viennent imposer ton droit. Aucun droit ne peut être établi là où il n'y a pas la force. Voici pourquoi dans tous les états de droit, il faut qu'il y ait une police, il faut qu'il y ait une armée. Tout droit sans force pour l'imposer, ce droit ne sert à rien. Voici pourquoi tu as le droit de te marier, mais tu n'as pas à te marier. Parce qu'il n'y a pas de force qui va descendre au milieu de tes ennemis pour lui donner lui sa robe de mariage, libérer son mari qu'elle avance. Alors tu crois, mais la force qui établit ton droit n'est pas là. Alors il est bloqué avec sa foi en l'homme accompli de Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit arrive. Saint-Esprit vient. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, doucement. Saint-Esprit vient. Aïe, 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 aïe. Et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit vient, remplis-moi. J'ai tout quitté pour te servir, Yahweh. Saint-Esprit vient, remplis. Tu j'as tout laissé. J'ai tout laissé pour
sainte, Saint-Esprit, Yahweh, Saint-Esprit vient et remplit. Est-ce que tu peux pousser des cris pour le Saint-Esprit? Pour le Saint-Esprit. Et le nom de Yagadagada, Ria Satanaba. C'est lui d'où il vient. Il a dit, je serai toujours avec vous. C'est Jésus qui a dit. Mais il est où? Où est son corps? Où est sa maison? Il est là par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là, on l'appelle l'esprit de force et de puissance. Ah! On l'appelle l'esprit de force et de puissance. On l'appelle l'esprit de force et de puissance. Regarde, Satan a la puissance. Le Saint-Esprit, lui-même, il est l'esprit de la puissance. Satan a la force. Le Saint-Esprit, lui-même, il est la source de la force. En ce moment, Samuel pleure. Il dit, le Saint-Esprit a tout laissé. Mais regarde le blocage. Mon mariage est bloqué. Papa, regarde, mes affaires n'avancent pas. Regarde, mon ministère est bloqué. Il pleure. Il dit, pourtant, la Bible déclare que par l'œuvre achevée de Christ, je suis libéré. Ils ont été publiquement livrés à la croix. Mais pendant qu'il fait ça, il est encore limité. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il est bloqué comme ça, le Saint-Esprit arrive. Mais pendant ce temps, Samuel fait quoi? Il pleure. Si tu pleures, quand tu pleures, cela va ajouter. Tu ajoutes un autre esprit méchant pour te bloquer. Quand tu pleures encore, et soit il vient ajouter, tu ajoutes encore la dépression. Quand tu pleures encore, Marie vient ajouter, la maladie vient s'ajouter. Au début, c'était Satan avec le problème d'argent qui t'avait bloqué. Maintenant, tu pleures. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, éternel. Oh, je suis découragé. Tu les invites à venir parce que le climat que tu crées en toi est favorable pour eux. Mais Samuel dit non. Tu ne veux pas pleurer. Il dit qu'à ceux qui fissent leur regard sur l'éternel, leur visage sont rayonnants. Ils ne seront point couverts de honte. Il dit les jeunes gens peuvent se fatiguer. Les jeunes gens marchent et peuvent se briser. Mais ceux qui sont confiés à l'éternel, ils renouvellent leur force. Il dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il est de même que la montagne entoure Jérusalem. Ainsi l'éternel entoure ma vie. Il dit celui qui dort, celui qui repose, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit je ne crains aucun mal. Le malin n'atteint point le juste. Quand il commence à proclamer, je sais que les souffrances du temps présent ne seraient à rien. Et quel est le temps de gloire à venir. Quand il commence à proclamer, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit pour travailler a besoin de son épée. Il a besoin de son épée. Oh, l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole. Quand on parle, au lieu de pleurer, donne la parole. Il prie, il donne la parole. Le Saint-Esprit prend son épée. Oh, tiens, donne le micro. Prends ton épée, Saint-Esprit. Il lève son épée et puis il ne sait pas. Allez, chasse-le. Maintenant, ouvre la voie. Il est libéré de la prison. Il est libéré. Est-ce que tu peux acclamer?